Le prochain exercice, c'est encore un exercice qui est composé d'un squat et c'est le squat and press, c'est-à-dire un squat avec un développé des épaules. On va travailler deux parties et pour cet exercice, si vous le voulez, vous pouvez utiliser des poids. Donc, pour commencer, il faut se référer à la vidéo qui explique bien comment faire un squat et par la suite, vous pouvez ajouter le développé de l'épaule tout en faisant le squat. Donc ici, moi, je vais prendre des poids, je vais prendre ma position de squat et amener les poids au niveau de mes épaules. Premier temps du mouvement, je descends dans ma position squat. Okay? Et je monte et je pousse les poids au-dessus de ma tête. Je redescends au niveau des épaules. Quand j'arrive aux épaules, je descends dans mon squat et hop. Descends doucement, on contrôle le mouvement. Je descends ici et hop. Quand je fais ma poussée vers le haut, ça m'aide à hop dans mon explosion d'apporter les poids plus facilement au-dessus de ma tête.